Et tout secteur yo invité pour capable faire ça les gestes hospitalité ça pour recevoir compatriotes yo rapatrier nous avec en dignité et un respect droit moun yo comprennent que je dis à la organisation ça comprennent que je dis à la faut tout monde d'accord que yo capable mettre meilleur ensemble pour recevoir compatriotes haïtiens ça yo monde qui peut être siati en bas à communiquer conjoint ça trois organisations ça yo nous joignent révérend père Levelt Michaud directeur dit service jésuite gain monsieur Agenon Brutus coordinateur gare et madame Manisa Eli coordinatrice RFJS. L'autre point d'actualité à la commissaire gouvernement Port-au-Prince, Franz lui juste a annoncé paquet Port-au-Prince a porté tout si Paul by la police pour traquer tout bandit et puis mener devant la justice. D'après chef paquet, c'est une obligation pour la police d'établir sécurité dans le pays pour permettre citoyens de vaquer à l'activité. Commissaire gouvernement lui-même qui c'est lui juste a tout profité à annoncer disposition. Paquet Port-au-Prince prend pour interdire moun vente gaz dans galon. À partir lundi qui a venu là et ça fait en permanence paquet a pas pratiqué ça. France lui profite tout mandé responsable pompio pour suspendre vente gaz dans galon en côté et commissaire gouvernement Port-au-Prince dans France lui juste dans micro Josué Lamour. Question de sécurité a nous connaissons un problème tout monde lié. Quel que soit monde lié à l'état victime et pas gain grâce possibilité au monde de pour sortir dans la rue pas ca victime de insécurité a. Parce que à travers toute juridiction nous une question de sécurité a commencé à prendre un essor considérable. Et dans ce sens ça paquet lui-même li ofri tèt li et li annoncé avec la police que la pote balé tout support possible pour permettre la police dans cadre travail que la fait pour traquer bandi pour intervenir les nécessaires de façon à ce que nous essayer réduire question insécurité a et qui c'est un grand cancer pour société a jine jodi a et nous comprendre que jodi a à chaque fois que le déplacement qu'a fait ou a posé cette question est-ce que ou pas avoir victime par rapport avec des actes bandits à poser, par rapport avec ZAM qui a circulé dans la société. Et je dis un paquet, lui a annoncé avec la police, quelle que soit la situation, lui avait et l'a pris de tout support possible de façon à ce que pour traquer bandits et si possibilité, si nécessaire, mener par devant la justice pour prononcer sous décision et sous peine que vous méritez. Et n'a prononcé aussi sous question gaz qu'a vendu dans la rue. Et nous pensons que ce problème ça, de nos jours, il y a un problème pour la société. Et si nous prenons exemple, si grave côté que gain possibilité, nous, ouais, côté que mon a brûlé, kaya brûlé, n'a annoncé jeudi avec tout le monde qui a vendu gaz dans la rue. D'ici lundi prochain, quel que soit le monde, nous joignons, qui a vendu gaz dans la rue, n'a bail la police l'ordre. Moun sa yo prend gaz yo s'il faut mener devant tribunal mener devant tribunal parce que automatiquement nous annoncer ça à partir de mardi si Dieu veut n'a sorti dans la rue avec la police et permanence parquet on a marché chercher tout le monde qui a vendu gaz dans la rue pour nous demander à ce que problème ça li suspend dans société ya. Gagné directeur départemental l'Ouest éducation qui c'est Jean-Ernest Clergé qui a annoncé gagnant ensemble disposition qui prend pour accompagner l'école qui dans quelques zones comme Matisse qui a croix des bouquets qui des difficultés pour fonctionner à cause de phénomène de sécurité. D'après Jean-Ernest Clergé, gain diverses écoles qui relocalisées et puis gain musique à prendre temps pour permettre à élèves autour rattraper toutes les couillots pédio c'est à occasion tout pour représentant ministère pour demander à autorité compétente pour faire tout ça possible une façon pour rétablir sécurité dans Katisayo. En côté directeur départemental l'Ouest éducation Jean-Ernest Clergé dans micro Radio Méga. Mais nous disons rencontrer avec inspecteur petit pour aussi les inspecteurs des districts. Si inspecteur Sayo cap manie du CIO avec inspecteur de zone. Nous rencontrer avec inspecteur district de Léogan qui vient grand bois qui boit, nous rencontrer avec inspecteur district Carrefour, Port-au-Prince, Delma, Pétionville, Ataye, Kabaye, Kadebouke, Lagounam. Depuis nous rencontrer avec acteurs sérieux, c'est comme si nous rencontrions avec tout acteur qui fait partie du système dans l'Ouest là. C'est au niveau du fondamental, au niveau du secondaire. Au contraire, nous remettons en phase sous zone ça. Si tu réfères à nous débouter l'année académique là, la solidarité qui est faite au niveau du professeur, du père d'école, côté youth, accueillir l'autre.
C'est dans le contexte là, on a dit, nous devons héberger une bonne partie des écoles qui ont des difficultés à Matissan dans le district de Carrefour. Ça a été permettre, côté que nous bouclions l'année académique, tant au niveau des classes pénitentiaires qu'au niveau des examens officiels. Nous voulons parler des 9e années fondamentales et bac unique là. C'est ça pour un petit bon résultat, ça nous réjouit à là, en dépit de toutes les situations difficiles que parents, professeurs, directeurs de l'école doivent prendre. Et élèves, ça, même le parent qui met la même date avant-hier avec l'autre élève, nous mettons à attendre que Gemesi qui prend pour permettre que l'école, les classes dans la zone sont capables d'ouvrir l'issue avec l'école nationale. Yo. Oui, et rencontre déjà fait. Même si nous rencontrons les inspecteurs principaux, nous-mêmes, nous avons des permissions à rencontrer les directeurs de l'école qui nous distribuent. Okay. On n'est pas pour la COVID là. Nous ne pouvons pas réunir tout le monde en même temps, nous ne pouvons pas réunir d'espace. Ça fait des coupages à faire, des coupages géographiques à faire pour nous venir le ça. Quand vous rencontrez un inspecteur principal dans le district, nous avons une permission pour aller rencontrer les directeurs d'école. Général Unoa, qui c'est José Merilia, qui dénonçait face au responsable du ministère de l'Éducation nationale, faire rentrer l'école en académique 2021-2022 à côté jusqu'à présent, qui plusieurs parents qui pour prendre année et passée pour petit tio à cause de la géopagé, nous ensemble l'école. Syndicaliste a profité dénoncer phénomène insécurité à Lidi qui bat l'école dans divers quartiers et comme quoi des bouquets, ça qui la cause. Timoun dans zone, ça pour capable aller l'école. Dans ce sens, les mains d'autorité dans l'état prennent toute disposition pour permettre à tout le monde d'aller à l'école comme ça doit. Un côté Josué Mérilien pour plus de détails. Je veux dire, à part de rame, ça, nous avons dit on école qui nous ouvre. Nos situations économiques terribles. Quand on pile par un, par connaît à qui c'est pour adresser, il y a un moyen pour retirer l'école. Parce que nous sommes seul pays dans la zone qui gagne presque 10% de l'école publique. En République Dominicaine, il y a 82% de l'école de l'État. Ici, nous avons plus de 10% de l'école publique. Donc, nous comprenons que c'est par nous qui avons payé l'école là. Et la situation économique nous est là, quand il y a un grand pays, toute l'activité économique campée, par nous, pas en mesure de retirer l'école. Ça fait que je vous dis, et ça nous là, nous avons des classes manquées, nous avons des classes crabes, nous avons des classes non inclusives, quand nous sommes petits pour à l'école. Nous avons des classes tout qui fait de conditions terribles pour des insécurités avant l'intérêt. Qui n'a pas avant l'intérêt. Pendant que Marmissi avec Ariel a fait cérémonie pour l'école, Castel Marozo fermé et quoi de bouquet. Si l'école ouvre dans Port-au-Prince, dans quel côté, dans Matissan, dans quoi de bouquet, parce qu'il n'y a pas l'école jusqu'à présent. Nous avons demandé, est-ce que quoi de bouquet, Matissan, le côté, pas fait partie de pays, est-ce que l'école va se poser ou non? Pendant il n'y a pas de négocier l'école là, professeur est doué, il va pouvoir payer professeur. On n'a pas de négocier l'école là, en plus parlant, il y a des cadres qui sont l'école privée pour qu'on apprenne. Donc, je veux dire, c'est une situation étonnable, terrible, qui demandait que nous devons camper. Et nous devons camper en masse pour que le problème soit résolu par le gouvernement. D'ailleurs, qui la donne deux hommes, femmes politiques responsables qui ont des réponses qui peuvent obtenir. Et voilà, ça c'est professeur Josué Mérilien, comme syndicaliste, coordonnateur général UNO, qui t'a parlé concernant situation ça, question ensemble de l'école, qui je dis à la, surtout dans des zones comme Matissa Fontamara, qui a des difficultés, puis au capable, élève au capable à l'école. N'a fini, toujours été dans le même dossier, ça, puisque nous connaissons, bien, gouvernement Ariel Rien, pour nous dire bien qu'il est même gagné depuis après. Tremblement de terre samedi 14 d'août, qui était secoué grand sud de pays. Côté gouvernement, il prend décision pour prendre trois ministres au gouvernement pour voir chaque à la jouer rôle coordonnatrice et coordonnateur dans différents départements. Ça, dans NIP, dans sud, à Grandos. Dans le département sud pays, c'est ministre en condition formac doit faire non se faire le réussir qui joue rôle coordonnatrice avec son gouvernement. Côté là, et bien, la bras possible avec ces rencontres que la fin dans le département. Si avant-hier, mercredi, elle était présente dans plusieurs villes dans le département sud pays encore ailleurs jeudi, il était présent encore dans diverses localités et il était profité rencontrer avec différents directeurs départementaux déconcentrés en dedans département sud pays. Tant coup hier jeudi, le ministre Chita a parlé avec le directeur départemental éducation dans sud, le directeur de protection civile, le délégué départemental sud, le coordonnateur PNCS dans sud, représentant de la fédération de l'école protestant en Haïti et puis divers partenaires techniques et financiers, tant coup au PAM, au CHA, UNICEF, AVC, objectif réunion, mais si tu as parlé de ça, c'est pour réfléchir sur une bonne stratégie pour adopter et pour faciliter.
facilité et l'ouverture classio qui fixé pour 4 octobre dans le grand sud pays, pour précisément dans le département sud, côté ministre Abjurol, coordonnatrice. Eh bien, dans Fougnigel Gadi, travail supervision que l'a fait, le ministre fait connaître, se faire le réus, travail infrastructure pour question l'école, surtout écrasé. Mais après possible, construction en gare, après possible, sérieusement, quand il fait qu'on est là tout, et bien travail ça y est, il y a gardé comment qu'a été fini avec yo avant même 4 octobre, et en plein qu'a été fini pour permettre que Timino capable à l'école le jour 4 octobre. Maintenant, j'ai parlé que t'es gagné avec différents directeurs ça y est, et puis tout yo gardé, yo proposé avec ensemble l'école privée qui pas endommagé, gardé comment yo capable faciliter tout élève qui dans l'école nationale, yo tout qui yo même qui endommagé net, est-ce que capable j'ai nous entente pour faciliter élèves ça autour dans un dîner l'après-midi et créer une vacation de crayon horaire pour yo capable commencer tout même année 4 octobre dans tout année académique là même j'ai avec ensemble de l'autre l'école dans département encore discussion après possible selon sa ministre lui-même il fait qu'on est avec série l'autre acteur yo sous situation on si là mais il clair que il fait qu'on est ministre se faire le risque fait qu'on est à travailler sérieusement pour date 4 octobre là il respecter et comme ça doit. On avance avec l'autre information dans le journal Mega Maté, puisque là, nous prenons le tourner avec le commissaire gouvernement Port-au-Prince, nouveau commissaire gouvernement. Côté Bakay Port-au-Prince, mettez capé en cellule IJAS à Kassif-City, commissaire gouvernement, yo, pour y combattre le phénomène détention préventive prolongée. Phénomène ça, c'est un cancer d'après le chef Pakayan qui empêchait bon fonctionnement appareil justice. Non? Dans ce sens, Pakayan a gagné un numéro qui c'est 31 12 55 10 31 12 55 10 qui est disponible pour recevoir doléance par un détenu pour Pakaya capable faire suivi pour capable juger chef Pakaya lui-même fait plus loin annoncer désormais substitut commissaire à présent dans siège yo surtout dans dossier habeas corpus yo il a annoncé tout les cal fait intervention dans quelques dossiers criminels tant coup assassinat maître Montfigueiro Valant Antoine Duclair ensemble avec confrère Diego Chal. Mais sous dossier assassinat président Jovenel Moïse, il fait qu'on est l'IPAP intervenu sur dossier ça parce qu'il est déjà dans le cabinet d'instruction. En côté et commissaire gouvernement Port-au-Prince, pointe lui juste dans le micro José Bellamour. Problème ça, c'est un cancer, c'est un gros problème dans la question justice là. Des raisons préventives prolongées, nous même dans le parquet, l'un des substituts, nous avons une bonne responsabilité, nous avons coordonné une cellule dans la question des raisons préventives prolongées. Et à partir du moment que nous venons parquet, nous pensons que le problème ça, faut nous porter une solution. Même si la solution n'est pas venue de façon grandiose, mais nous devons porter une solution de façon à ce que nous réduisons la quantité de monde qui est en prison, qui pour qu'on juge, et moun qui est en prison, qui gagne aussi la cabine d'instruction qui pas qu'à avancer, et je dis à travers cellule que nous mettons ensemble avec substituts, nous prenons le travail sur le dossier ça, et pour nous porter un résultat qui plus ou moins satisfaisant, de manière à ce que la société a ligué au souffle. Parce que ça fait longtemps qu'il y a pile monde qui est en prison, qui pas qu'à juger. En pile monde en prison, je ne vais pas attendre. En pile monde en prison, cabinet de succion, pas attendre. Parquet a lui même livré porter une solution dans ce sens. Et c'est pour être ça, parquet a créé une cellule qui a l'écoute des détenus, qui a un numéro de téléphone qui c'est 31 12 55 10, qui là, non cellule, qui attendait doléance par un monde qui gagne, monde en prison, qui gagne dossier soit cabinet d'instruction, qui gagne dossier soit qui n'a correctionnel, et pour nous avancer. Et dans le même cadre de travail, ça, nous prenons faire recruter 10 jeunes dans la faculté de loi, qui ont la centre d'appel, ça, et qui prend information, qui prend doléance, à partir de doléance que vous prenez, il y a transmettre avec cellule qui a l'écoute des détenus, et pour permettre pas qu'il y a lui-même nous faire de suivi. L'autre point d'actualité a gagné regroupement organisation dans tabac route qui dénonçait mauvaise situation commune ça qui plongeait dans saleté la boue depuis quelque temps gagné en rien pas marché dans collectivité territoriale ça d'après responsable organisation ça yo qui mandé changement dans conseil communal ça qui pas jamais fait en rien pour changer la vie moun dans commune tabac cap souffri depuis plusieurs temps en côté une après l'autre Voltaire Junior Chéri à Ferville Migenson pour plus de détails. Nous-mêmes, regroupement organisation tabac, on a dit, avec PM Ariel Henry, que pays a nommé, même Jean Tabac nommé nous. Qui donc, nous souhaitons nouveau gouvernement emporter la paix pour pays avec un nouveau commission communale qui a porté bonheur pour tabac. Dans ce sens, a demandé PM Ariel Henry pour le temps d'écrire désespoir, paix tabac qui a vivre dans la boue.
dans l'insécurité avec Fatra senti que le conseil communal qui vient dans tête Lyon Argentin qui relait ni Simon depuis 57 mois côté c'est la boue saleté Fatra insécurité corruption capta et banda dans commune là et tout de suite nous demander changement dans mairie Taba. Et depuis un certain temps, constat, c'est Fatra, c'est la boue. Chaque temps, on tire la pluie tombée, Taba inondé. Pas d'infrastructure, pas de rien qui a marché dans nos communes. Et c'est peut-être ça même, je dis, nous prenons courage nous demain pour nous dire payer Marielle Henry. Même Jean, pays à Namel, parce qu'il faut que nous accord avec ensemble, parti politique, secteur politique dans le pays. Même Jean Taba, c'est pour nous, c'est dans nous Taba. Nous prenons courage nous pour nous dire, pour ça, nous décider voter contribution, voter énergie nous au service commun. Parce que pas de rien cap marché. Et constat d'échec au grand, au visible, au évident. Nous gagnons une école polytechnique pour démission qui gagne presque 2 ans depuis malheureusement, soi-disant Yotifel, Damien, pour démission. Je propose que j'aime gagner en chaise. Et président chambre député à Jean-Tolbert, Alexis minimisé démission Daniel Foutlan. Pour président ensemble, nous ferons démission ça, voulait cacher échec. Diplomate l'en face à la mission était gagnée pour joindre une solution à crise. Jean-Tolbert, Alexis lui-même aller plus loin pour le dire. Ça qu'arrivé que Daniel Foot lui-même te gagne un agenda, mais agenda l'ensemble pas qu'à satisfait. En côté Jean-Tolbert, Alexis, dans micro collaborateur, nous remanons samedi. Ok, je suis également un diplomate, je comprends la position et les déclarations des diplomates. Ça veut dire que, au-delà de ce qui est écrit, il y a de ce qui n'est pas dit. Ça veut dire, au-delà de ce qui est écrit, il y a ce que la personne attendait. Ça veut dire que l'homme en fonction, l'igon bagay la patente pour le cas aller plus devant. On va pas rentrer seulement, on va faire lecture au premier degré de sa mounan dit pour le capable montrer ou bien pour le dédouaner tête pâle. Et l'homme on accepte en fonction, on accepte avec ses bénéfices et ses avantages et désavantages ou qu'a réussi ou qu'a pas réussi. Peut-être événement, Rio Grande a c'est élément déclencheur, peut-être que nous avons un autre agenda et pas qui va arriver passé. Je ne fais lecture au premier degré et je fais lecture qui est beaucoup plus profond comme diplomate que je suis moi-même. Mais ceci étant dit, les mots sont clairs et simples. Il parle de, donc je me dis, Haïti pas mérité, ça y a fait là, nous pas mérité, nous sommes peuple solidaire, nous sommes peuple qui accueillent nous-mêmes, n'importe monde vient la caille nous, n'importe monde vient habiter la caille nous, pas de problème dans le pays nous. Et malheureusement, pour le pays nous, pas dans la condition d'un maximum de sécurité, et nous sommes pays tout qui fragile par rapport à l'environnement, on a fait parler de ça, 0.2% couverture forestière, on sait ce qu'on y a chaque cinq ans, et nous avons un cyclone, donc faut nous pas sensibiliser sur ça, puis bon, à couper, zabouka, couper pour faire charbon. Donc, nous comprenons l'être diplomate là, comme diplomate, on prend pour ce qu'il est, on prend pour s'allier au plus profond. On avance avec l'autre information dans le journal là, sorti dimanche passé pour arriver mercredi passé à la Haïti recevoir 1314 migrants sous 12 vols sous aéroport Toussaint Louverture. D'après coordonnateur ONM Jean-Nigo Bonheur Delva qui fait qu'on est dans tête collé à OIM arrivé pour participer par migrants qui continue à arriver dans deux aéroports pour nous dire bien cap haïtien à Port-au-Prince. En côté plus détail avec Jean-Nigo Bonheur Delva dans micro collaborateur nous Jean-Philippe Masséa. Mais pour 12 vols à yo, nous recevoir, il fait justement un total de 1314 migrants. ONM accueilli 1314 migrants sorti dimanche pour arriver hier mercredi. Je me dis, en bonne partie, nous recevoir au aéroport Toussaint Louverture et un seul vol, nous recevoir au Cap Haïtien. Je vous dis un volio encore à multiplier à travers le Cap Nabgentoa et ici à Port-au-Prince, on aura 3 autres vols. L'idée est partie comme ça, ensemble de monde ONMT accueilli, 332 femmes. C'est nombre de monde, ça y a femmes, justement, que ONMTIV accueilli de dimanche à mercredi. 545 garçons et nous devons recevoir également 404 timounes. Sans oublier les 83 hommes accueillis justement au Cap-Haïtien qui fait total de
314 migrants. Maintenant, nous toujours dit que ONM fait une prise en charge lors de l'accueil. Malheureusement, aujourd'hui, l'État haïtien pas permettre ONM gagner un budget pour le capable lui-même personnellement comme ONM pour réagir. N'a toujours été dans même dossier ce responsable ONM nan Jean-Nego Bonheur Delva pour des précisions sur causer 1500 gourdes capaléo. Jean-Nego Bonheur Delva a précisé c'est OIM qui bail chaque migrant yo une enveloppe 10 000 gourdes. ONM a pagé un rien pour avec l'agence parce que jusqu'à présent autorité centrale yo pas débloqué yon goud l'esco pour ONM supporter migrant yo. En côté Jean-Nego Bonheur toujours dans micro collaborateur nous Jean-Philippe Massé. Gagné en task force qui montait qui gagne la donné le ministère du commerce, qui gagne la donné le ministère de l'intérieur, des collectivités territoriales, le ministère des finances, etc. Même si c'est le ministère du commerce, c'est pour me dire que le ministère ça a gagné plus ou moins de programmes sociaux que vous pilotez. Eh bien, à travers structure de suivi ONM, il est clair que nous qui sommes vulnérables, nous gagnons justement pour que nous travaillions de concert avec eux, ouais, comment le ministère du commerce est capable de faire pour permettre que nous ayons gagné des activités génératrices de revenus qui permettent que nous subsistions pendant que nous rentrons dans le pays. Concernant les frais de 10 000 gouttes, je l'ai dit, ONM pas bail migrants aucun cob parce que l'État haïtien n'a pas décaissé pour ça. Gagné OIM qui lui-même et prend engagement pour bay moun yo 10 000 goud. Maintenant, si nous tendez moun yo di ou pas jwenn 10 000 goud, ONM n'est pas au courant. C'est pour nous essayer, ouais, les responsables de l'OIM qui sont même capables de fournir nous beaucoup plus de détails ou encore de boutiques, car nous autres, ONM, n'ont pas bay moun yo frais cette fois-ci. J'aime dire parce que l'État n'a pas décaissé pour ça. Maintenant, on dit que concernant le passeport, yo, je dis que notre task force qui monte, gagne la donnée le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Même ça nous fait, lorsque nous avons gagné un document de voyage qui n'est pas disponible, ou bien qui t'a perdu, l'EA nous fait rapport là et voué dans le ministère de l'Intérieur pour permettre que nous soyons capables de nous-mêmes recouvrir pièces d'identité. Vous avez l'état pas de caisse comme une situation pareille, écoutez, vous continuez à recevoir le monde et comment vous expliquez ça? Vous n'aimez pas la boule de caisse comme ONM là pour l'accueil immigrant. Maintenant, nous avons des ressources humaines qualifiées à travers tout aéroport, de aéroport international, nous, bien entendu, et à travers toute ligne frontalière. Nous sommes toujours disponibles, ONM toujours là, mais cependant, j'aime dire ONM pas recevoir en dessous de l'État haïtien pour question de rapatriement. Voilà, déclaration Andy Colanté ONM nan Jean-Nego Bonheur Delva sous situation compatriote haïtienne que il y a pimpé voyez ba nous. Ici gagne diverses organisations droit moun divers acteurs qui continuent à réagir mais sous situation face aux autorités américaines a pas expulsé mais voyez pas bon site plusieurs milliers et compatriotes haïtiens. Fondation J'éclaire JKL qui déclaré qui dit que les indiens choqués et c'est révoltant façon li wè autorités américaines a traité migrants à et migrayen yo je façon y a voyou tourner par bon site et qui trouve dans situation très difficile dans état Texas aux États-Unis. Non note que mettez et dehors jeudi a qui donc hier jeudi FJKL rappelé que selon disposition article 33 convention 28 juillet 1951 qui relative avec un statut réfugié convention de Genève là États-Unis de interdit d'expulser ou bien pour refouler ensemble de réfugiés sous territoire d'abord les doit garder s'entraîner qui façon que la vie yo li doué la vie avec liberté yo li pas doué menacer dans façon que l'a expulsé yo. FJKL dit pas comprendre que état lui-même États-Unis là façon y a voyé tourner ressortissant yo pas bon site notre question situation qui est très difficile côté jeudi là situation question sécurité dans pays a li a augmenté et même moun yo tout qui l'autre bois dans condition yo y a situation sécurité a li même situation yo pour question sécurité pour la vie très très compliqué. FJKL rappelle également
également que principe non refoulement qui prévoit dans disposition article 22.8 et 22.9 convention américaine relativement avec la question droit moun 1969 que États-Unis sien bien gonja pour que le traité immigrant la Cali fondation j'éclairé li mandé avec autorité américaine pour capable camper sous traitement inhumain ça et qui dégradant que y a bail réfugiés haïtiens yo et pendant lancer un appel avec solidarité pour bon côté pays divers pays qui dans région pour capable bien si porter réfugiés haïtiens yo côté droit fondamental yo violé et yo passé en papier par ben l'état qui toujours pas défendre valeur universelle liberté et dignité et puis démocratie et peuple c'est ça FJKL lui-même l'a dit dans note ça que le mettait dehors jeudi hier qui c'était 23 septembre 2021 n'a toujours été dans même dossier ça puisque il y a diverses organisations de base qui yo même placé mot pa yo sous situation ça façon autorité américaine yo même pimpé voyez banon ici là et bien plusieurs compatriotes haïtiens nous pour regarder côté mais gagner combat syndical qui lui-même ensemble avec IPAM UNO qui réagit en façon que autorité américaine yo avoué tourner par bois ici compatriotes haïtiens yo mais là diverses organisations de base ak parti politique tant que UNO IPAM gagner PAPDA combat syndical ak populaire yo même condamné façon administration Joe Biden a déporté plusieurs milliers compatriotes une membre combat yo qui c'est Joseph Mekilien critiqué autorité américaine yo li dit qui violer droit migrants haïtiens ça yo militant politique là pas mettre deux dans bouche li pour critiquer chef gouvernement haïtien Ariel Henry li dit qui pas même qu'à défendre droit patriote Silayo. Nous allons inviter nous suivre un reportage avec Salle Nouvelle Radio Méga sur après réaction divers militants de organisation Silayo. Nous allons attendre exactement sur comment ça y est. TTA voyons en pile cap levé dans société a dans divers secteurs pour condamner face aux autorités américaines yo a voyé tourner par boycite plusieurs milliers compatriotes professeur Josué Mérilien lui-même tout cap garder et puis tendez son haïtien sa yo dit li indigné révolté devant situation ça côté li fait connait yo traité moun sa yo pi mal parce que animaux y a empilé dans vieille machine image indignant révoltant humiliant nous est sur toutes les réseaux sociaux yo qui fait le tour du monde. Yo prend des compatriotes, yo enchaîné mais yo enchaîné pied yo et yo chita pour yo fixer yo sous chaise et avion, yo va même lever vers la toilette, sur les toilettes. Zancet n'y a pas de travail pour ça, d'après José Mérilien, qui fait qu'on est. C'est fréquent cité blanc américain, ensemble avec certains pays impérialistes, à fin de pays. Parce que toute la journée, n'a acheté un seul quantique, nous c'est le premier peuple noir qui est indépendant. Sans ce bagaille, qui est plus mal passé, et esclaves, notre esclaves sur l'Afrique, ou ici. Nous, c'est le premier peuple noir qui est tête devant blanc, qui bat blanc. Non, et Vertière, bataille Vertière, qui établit un pays grand monde. Et que je vous dis, il faut tourner, on l'a fait, pour ne pas vivre la donne. Mauvaise gouvernance, chômage, insécurité, la misère, c'est pas mes raisons qui poussent en pile haïtien à risquer la vie dans un pays étranger. Sinon, qu'à quoi parole José Mérilien? Pendant qu'elle a profité de l'enjeu de l'île, sous divers anciens présidents.